Bonjour à tous. Alors, à quoi allons-nous jouer aujourd'hui? Castle Ravenloft, le jeu de plateau de la licence Donjons et Dragons, est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans. C'est en réalité plus qu'un simple jeu, c'est tout un système de jeu qui utilise un ensemble de scénarios. Dans Castle Ravenloft, vous allez incarner un personnage ou une équipe de personnages. On va commencer par faire la présentation des 5 personnages de base qui sont les héros du jeu. Kat est une hors-la-loi humaine, particulièrement douée pour désactiver des pièges, c'est sa caractéristique principale, et qui possède un ensemble de caractéristiques qu'on détaillera par la suite. Elle est représentée sur le jeu par une figurine de coloration dominante grise. Alors évidemment, au départ, ces figurines sont livrées non peintes, hein. Vous pouvez évidemment les mettre en peinture, ce que j'ai fait ici, hein. J'ai gardé un socle bleu pour les héros, donc cette coloration grise pour Kat. Elle possède un total de 5 caractéristiques qui sont chacune représentées par une carte. Imril est un magicien. Je l'ai ici représenté par une figurine que j'ai peinte avec une dominante bleue. On va en profiter du coup pour jeter un petit coup d'œil d'un petit peu plus près aux cartes et aux caractéristiques qui apparaissent sur les cartes. Imril possède une classe d'armure de 14, qui représente sa capacité à résister aux attaques ennemies. 6 points de vie, une vitesse de déplacement de 6 et une récupération de points de vie de 3. Imril est un personnage de soutien qui connaît particulièrement bien les monstres qui peuplent les donjons et qui apportera sa connaissance aux autres personnages, leur permettant ainsi d'augmenter leur capacité de combat. Tout comme Kat, Imril possède 5 caractéristiques spécifiques représentées par des cartes. Ariane est un guerrier draconien. Il est spécialiste du combat rapproché. Ariane a la particularité de pouvoir protéger les autres héros qui sont en jeu en leur apportant un bonus défensif. Voici sa figurine à dominante rouge. Ariane est un personnage qui, lui aussi, possède 5 caractéristiques supplémentaires qui lui sont propres et qui sont représentées par, là aussi, 5 cartes. Alisha est une archère humaine, spécialiste dans le combat à distance et qui possède aussi la particularité de pouvoir explorer beaucoup plus facilement les salles des donjons que vous allez parcourir. Voici sa figurine à dominante verte. Tout comme les autres personnages, Alisha possède des caractéristiques qui lui sont propres, représentées par des cartes, ici au nombre de 4. Lorsque ce personnage, et ce sera le cas pour les autres aussi, aura obtenu suffisamment d'expérience, on pourra faire passer ce personnage au niveau 2. Pour ceci, on retourne la carte, le personnage est passé au deuxième niveau, et on voit que ses caractéristiques de base, classe d'armure, points de vie, vitesse, points de récupération sont améliorés par rapport à la situation qui était celle du niveau 1. À cela se rajoute une capacité supplémentaire qui sera propre à chaque personnage. Ici, pour Alisha, la capacité à porter des coups critiques. Le cinquième et dernier héros du jeu s'appelle Thorgrim. C'est un clerc nain qui possède la particularité de pouvoir soigner les autres héros situés à proximité. Voici sa figurine à dominante jaune. Il possède un total de 5 caractéristiques supplémentaires représentées par des cartes. Tout comme Imril le magicien, Thorgrim est un personnage de soutien particulièrement utile pour apporter de l'aide aux héros qui l'entourent. Alors Castle Ravenloft est un dungeon crawler collaboratif. Ça signifie que chaque joueur va incarner un ou plusieurs personnages et qu'on va jouer ensemble contre le jeu. Évidemment, les objectifs dépendront du scénario que vous allez jouer. Ce qui est commun, c'est qu'au début de chaque partie, les héros vont se retrouver sur une tuile de départ et ils vont ensuite progressivement découvrir le donjon dans lequel ils évoluent, un donjon peuplé évidemment de créatures maléfiques qu'ils devront défaire pour remplir leur mission, qui pourra être éventuellement de récupérer un artefact, de s'enfuir, ou bien de vaincre simplement une créature ennemie.
Vous aurez aussi à votre disposition un ensemble de cartes qui vous permettront de dérouler la partie. D'abord des cartes monstres qui vous permettront de révéler au fur et à mesure les monstres qui apparaissent sur le plateau de jeu, avec pour chacun de ces monstres une description, un ensemble de caractéristiques et surtout les règles sur la façon de les jouer. Vous avez aussi des cartes rencontres qui de façon générale décrivent un environnement, créent de nouvelles situations, font apparaître des pièges et autres réjouissances du même type. Des cartes trésors que vous allez pouvoir récupérer lorsque vous allez éliminer des monstres du plateau de jeu. Vous avez aussi un dernier paquet de cartes qui, lui, présentera des objets un peu particuliers qui seront à découvrir lors des scénarios. Le scénario vous dira à chaque fois laquelle ou lesquelles de ces cartes vous aurez à utiliser. Alors on peut dire un petit mot aussi de la façon dont le donjon va être révélé au héros. Vous disposez d'un paquet de tuiles qui dépendra évidemment du scénario que vous allez jouer. Dans tous les cas, lorsque les héros se lancent dans une exploration, ils vont découvrir les tuiles qui sont adjacentes à celles qu'ils occupent. On va donc révéler au fur et à mesure ces tuiles sur le plateau de jeu, avec à chaque fois l'obligation de faire figurer le triangle, qui peut être blanc ou qui peut être noir, toujours en face de la tuile d'où viennent les héros qui font l'exploration. De façon générale, lorsque les héros arrivent sur une extrémité de tuile, ils pourront lancer l'exploration qui permettra de découvrir les tuiles suivantes. C'est ainsi qu'au fur et à mesure, le donjon va se révéler aux joueurs, avec, vous le voyez, une multitude de combinaisons possibles. Alors bien évidemment, quand vous allez explorer les différentes salles des donjons, vous allez tomber sur des créatures malfaisantes. Ici, une nuée de rats. On pourra tomber aussi sur des ghouls, qui sont une forme de mort-vivant. Vous avez aussi des squelettes. De grosses araignées bien velues. Des loups. Des zombies. Des esprits malfaisants. Des squelettes brûlants. Et des escarmoucheurs kobolds. Voilà, ça ce sont les créatures de base que vous allez pouvoir croiser dans les différentes salles du donjon. Se rajouteront en fonction des scénarios d'autres créatures. Créatures très diverses. Vous verrez en fait que chaque scénario fait intervenir des figurines un petit peu particulières qu'on ne retrouvera pas forcément dans d'autres scénarios. Avec une figurine particulière qui est ici le comte Strad von Zarowicz, qui est en quelque sorte le maître des lieux, et qui interviendra lui aussi dans quelques scénarios. Alors à toutes ces figurines de petite taille vont se rajouter un certain nombre de dragons, dont vous avez ici le plus grand d'entre eux, pour l'instant sous-couché mais pas encore mis en peinture. C'est un dragon squelette. Enfin, on aura un ensemble de pointeurs et de jetons divers qui seront utilisés dans la partie pour mentionner un certain nombre d'actions particulières. Un dé à 20 faces qui servira à la résolution des combats et à tous les autres types de tests. On termine ce rapide tour d'horizon par les deux livres qui sont livrés dans la boîte, un livre de règles et un livre d'aventure. Bien évidemment, vous l'avez remarqué. Sur l'ensemble des pointeurs, sur les cartes des personnages, dans les livres de règles, tout est en version originale. Ceci étant dit, c'est un anglais relativement accessible, relativement simple, même si vos connaissances en anglais sont relativement réduites, comme c'est mon cas, vous n'aurez toutefois aucune difficulté à comprendre les règles et à savoir comment jouer les différents héros et les monstres. Alors on va en profiter pour donner quelques indications de règles qui sont communes à tous les scénarios. Évidemment, dans un premier temps, vos personnages auront la possibilité de se déplacer. En réalité, chaque personnage, lorsque son tour arrive, possède deux actions. Il peut soit se déplacer deux fois, soit se déplacer et attaquer, soit attaquer et se déplacer. Pour se déplacer, chaque personnage possède une vitesse. Ici, 4 par exemple a une vitesse de 6, ce qui signifie qu'elle pourra, par tour, se déplacer de 6 cases sur le plateau de jeu. Les déplacements en diagonale sont autorisés. Une fois les actions du héros réalisées, on passe à la phase exploration.
Si un héros se situe en bord de tuile, comme c'est le cas ici, on va automatiquement réveiller la tuile suivante. Toujours évidemment en faisant coïncider le triangle sur la tuile où est placé le héros qui fait l'exploration. Vous avez aussi sur cette tuile une tuile particulière, faite d'un ensemble d'eau, sur lequel vous allez faire apparaître une créature tirée au sort sur le paquet de monstres. Cette créature va par la suite, lors de son tour de jeu, chercher à attaquer les héros les plus proches. La même situation pourra se reproduire lorsque d'autres joueurs joueront par la suite. Si un héros est en bord de tuile, on place la tuile suivante, on révèle un monstre à partir du paquet de cartes, ici une araignée, qu'on va placer sur la case correspondante. Et c'est donc selon ce principe que le donjon va être généré, avec, on le voit à chaque fois, l'apparition d'un monstre sur la tuile qui a été rajoutée. Alors au début de la partie, chaque joueur récupérera une carte qui lui présentera un résumé des séquences de jeu. On commencera évidemment par la phase des héros à chaque fois. Et on poursuivra ensuite, en retournant la carte, par la phase d'exploration et ensuite par la phase des monstres. On voit que selon les situations de jeu, les actions à mener pourront être différentes. Alors on a vu tout à l'heure que chaque personnage pouvait posséder des compétences qui sont représentées par des cartes. Ces compétences pourront être utilisées en cours de partie et vous aurez le choix au début de chaque scénario des cartes que vous allez utiliser. Toutefois, vous avez des contraintes qui apparaissent sur votre carton de joueur qui vous indiquent quels seront les types de cartes que vous allez pouvoir utiliser et donc les compétences disponibles en cours de partie pour votre personnage. Voici un exemple de tirage pour 4 hors-la-loi. La première carte est une carte à usage unique. La compétence ne pourra être activée qu'une seule fois en cours de partie. Dès que ce sera fait, cette carte se sera retournée. Vous ne pourrez plus utiliser cette compétence. Les deux cartes suivantes vous présentent des compétences utilisables à volonté. Lors de votre phase d'attaque, vous allez pouvoir utiliser une de ces cartes pour attaquer les ennemis qui sont sur le plateau. Après utilisation, ces cartes ne seront pas retournées. Vous aurez la possibilité, à chaque tour, d'utiliser une de ces deux compétences pour attaquer vos ennemis. Vous disposerez enfin de cartes de compétences spécifiques qui, elles aussi, seront à usage unique. Une fois que vous les aurez utilisées, les cartes seront retournées et vous ne pourrez plus utiliser ces compétences pour le restant de la partie. Voilà donc pour ce condensé rapide des règles de Castle Ravenloft. Il serait illusoire de vouloir tout vous détailler. Le plus simple, je pense, c'est de se lancer dans une prochaine vidéo, dans une aventure, de façon à se rendre compte un petit peu de la façon dont la mécanique du jeu se met en place. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.